supporte pas les gens qui roulent à plus de 200 km/h sur l'autoroute. J'ai toujours du mal à les dépasser. En même temps, aujourd'hui, on est lourd. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on va sur le circuit de Michelin, près de l'Auvergne, et on a un invité. Normalement, elle tombe pas. Hein. Au pire, je peux la dire comme ça. Bonjour, bienvenue au circuit de Michelin. À l'heure de vérité. Alors, Gap. Ouais. Voilà, nous sommes avec une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Et je suis vraiment content parce qu'il est loin maintenant et il va rouler ma voiture. C'est un peu nouveau pour toi aujourd'hui parce que complètement, c'est une première là. Le drift, j'ai fait quelques essais qui généralement ont fini un peu en tête à queue. Mais le drift, je ne connais pas. Tu as déjà commencé à me donner quelques conseils. En quelques secondes, tu m'as appris toutes les raisons de pourquoi je faisais des erreurs. Grossièrement. En fait. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Il y a pas mal d'erreurs qu'on peut voir sur mes vidéos. Dès que ça commence à glisser, je lâche l'accélérateur ou j'essaie de le reprendre mais trop fort. Et ça part souvent un peu en cacahuète. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Gabriel Ettman, Gabriel c'est ça. Gothic Gotcha. Ah ça part de loin. C'était pour le jeu Carmageddon, pour télécharger le patch 100. Oui. Et là on me demande un pseudo. Et sur un des engins de Carmageddon, il y avait marqué Gotcha en lettres de 100. C'était un peu pris partout et c'était l'époque où j'avais appelé mon chat noir Gothic. Gothic Gotcha. Voilà. Putain, super. On a des réponses à des trucs, ça fait des années que je me pose des questions. Allez c'est parti là. Fais-toi plaisir. Bon, à quel moment de la journée je dois te dire que j'ai pas roulé sur circuit depuis 2018? Non, tu me diras ça ce soir. Ok, ça marche. C'est par là. Fais gaffe, hein. T'as vu? C'est dès direct. Dès qu'il braque, t'as un sous-virage direct. Ah ouais. On a notre passe. Michelin Club, école de pilotage. Ah ouais. Trop bien. Hey, y'a quelqu'un qui roule ma voiture, je suis au côté passager, les gars. Je suis au côté passager. Mais pas assez.
Club 2. Désolé, j'étais un peu optimiste là. Elle est géniale ta voiture. T'as vu? Eh, Pacheo, les pneus de merde. Écoute, quand l'équilibre il te plaît, pas la peine de chercher plus loin. Ouais. C'est cool. Hey, c'est pas moi qui suis dedans. Mais non, je voulais juste charger la batterie. Voilà, à partir de là, la carte SD de la GoPro a bugué, donc on a perdu tous les fichiers de l'après-midi. J'ai juste réussi à récupérer celui-là avec une qualité de merde, désolé. C'est génial, c'est top. Oh là, oh la belle M2. Oh, ils sont là, regarde. On a fait tous ces kilomètres pour aller rouler sur un circuit. Ah oui, le crochet, moi j'ai mis un truc phosphorescent là. Il est là. Bon. Voilà, encore une petite session spéciale avec Momo. 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 Dans une M2. Bien. Putain. Momo, je commence à être pas mal. Des Porsche, des grosses voitures.
frotter ta queue. Ça glisse. Oh la vache. Joli. Le mec, c'est optimiste. Coupé. Là, nous sommes dans un vaisseau spatial incroyable. Une E30. Bonjour. Salut. C'est qui? Morgane. Ah oui, c'est vrai, encore. Momo. Momo et notre ami Gabriel qui est tout seul avec ma voiture sur le circuit, on va sûrement le croiser. T'as quoi comme moteur là-dessus? 107i. 107i? Ouais. Et c'est sur combien? 210. Non, il faut jamais vendre la peau de l'ours. On dit toujours que t'as un moteur un peu fébrile comme ça. Merci à toi, c'est vrai. Merci Morgane. Tant de merde d'un seul coup, je l'ai vu venir le truc. On est à l'intérieur. Il fait moche. Putain, j'ai même pas vu Gabriel. Il est là. Yeah, c'est la fin de la journée. Bilan, je crois que les pneus arrière, ils sont foutus. C'est pas grave, c'était sympa.